Avoir chaud et être au sec, c'est le grand problème du marin. S'équiper est une opération longue et réfléchie. Sous-vêtements et vêtements se superposent comme pelures sur un oignon. Ciré et bottes protègent des embruns glacés qui balaient le pont par une température avoisinant 0 degré. Le vent a changé de direction. Pour leur sauvegarde de l'autre bord, l'équipage brasse les voiles sur l'autre amure et empanne le spinnaker. La manœuvre exige une parfaite coordination. Gauloise est l'ancien Fenwick 3. Il a été dessiné par Tabarly lui-même. Un système de handicap égalise ses chances avec les voiliers plus longs, comme Fenwick 6. C'est bon, vous y allez. Dans le sillage de son grand frère, surchargé de toile, il fonce comme un fou, avec une réelle chance de gagner. Un peu de rythme. Débrasse un peu. Ça va comme ça, Eric? Ouais, ça va. Une pour le cap? Ok. Mais pour Tabarly, rien n'est joué tant qu'on n'a pas coupé la ligne d'arrivée. Même aux meilleurs équipages, sous l'autorité du plus célèbre patron, il arrive de louper une manœuvre. Qui c'est qui a ferlé ce spi, bordel ? Ok, bonsoir, bonsoir Salis. Je voudrais un numéro à Paris, le 532-42-85. Je répète, le 532-42-85. À vous. Allô, là, bonjour, là, c'est Virginie, là, à toi. Oui, oui. Je vais t'annoncer de bonnes nouvelles quand même, à toi. Vas-y, raconte. Gauloise 2, je répète, Gauloise 2 est premier devant Traité de Rome, Fenwick et 33 Export, Neptune et Flyer. As-tu reçu à toi? Tu peux noter pour les journaux et la radio demain. On a bien marché et on a doublé 33 Export en temps réel. On l'a doublé en temps réel. Si tu veux, sur la route de la route du Cap Horn, la route directe, il est à peu près à une trentaine de milles derrière nous. Ce qui fait qu'encore en temps compensé, on est pas mal, là, toi. Ok, il faut que tu me donnes les positions, quand même. Fenwick 6, Fenwick 6, 56, 32, 5, 6, 3, 2, 98, 20. Nuit après jour, les hommes à la limite de l'épuisement sont laminés par le rythme impitoyable de la mer, du vent et de la course. Les instants de repos et les bribes de sommeil inconfortables sont souvent interrompus par les exigences du bateau, de la victoire et parfois de la survie. À force de porter les spies dans des vents de tempête, Gauloise a tordu son tambon, ce mât horizontal qui sert à déborder la voile au vent arrière. Il
n'y a plus qu'à essayer de réparer avec les pauvres moyens du bord. Le plus proche atelier est à 5000 km. Barley est soucieux. Le vide mulet qui relie la Baume au mât donne des signes de fatigue. Cette nouvelle avarie compromet les chances d'une arrivée en tête à Rio. Dépourvu de grands voiles, Pendrixis ira moins vite. Les spies ne pourront plus être établies car l'équipage a besoin de la grand voile pour les affaler à l'abri du vent. Il faut improviser une solution de fortune. Ce ne sera pas facile. Le spinnaker, cette bulle de nylon qui tire le bateau par vent arrière, est habituellement rentré dès que la brise devient un peu fraîche. Les voiliers de la course autour du monde conservent, eux, toute la toile dans le vent de tempête. Sur tous les bateaux, les avaries succèdent. C'est le prix de l'audace et de la vitesse.